Cap Donat, en trois mots, trois notions. En trois mots, ben déjà, c'est le sommet de la vague, ce que littéralement ça signifie. C'est la passion, c'est la recherche de l'excellence, de l'originalité. Et voilà, pour moi, c'est ça. Mettre tout son cœur et mettre de l'âme dans chacun de ses gestes. Créer des bières pour ceux qui n'aiment pas la bière, créer des bières pour ceux qui adorent la bière, et toujours aller plus haut, toujours aller plus loin. Donc on était avant-gardiste il y a 20 ans, et tout notre travail, c'est rester avant-gardiste maintenant. Disons que je m'occupe du contrôle qualité. Je déguste tous les jours les bières, je les contrôle, bon, avec bien sûr toute l'équipe de production. L'âme, je suis catalane, petite fille d'agriculteur, donc le travail dans les champs avec les agriculteurs, choisir le fruit à maturité, le meilleur des fruits, puisque nos bières aux fruits, il y a 3 tonnes de fruits dans une cuve de 2000 litres. On a le luxe de choisir nos clients, on est la seule brasserie artisanale à ne pas démarcher les gens, mais à travailler avec ceux qui veulent la Cap Donat. Donc mon travail, il est aussi là, les accompagner, faire des dégustations de bière chez eux, etc. Ça, c'est très, très important. Ou ici, faire des visites de la fabrique, faire déguster à des professionnels, faire des salons. Moi, j'ai rencontré Grégor, je le connaissais depuis très longtemps et je suis tombée amoureuse de lui quand je l'ai vu brasser. Et je me suis dit, ce mec-là, avant que ce soit mon mec, il a un talent fou, il faut que ça se sache. Donc mon principal défi, ça a été l'accompagner, parce que c'est quelqu'un de très discret, dans le faire savoir ses bières, en fait, faire connaître ses bières. Et petit à petit, j'y arrive. J'y arrive parce que ben, il a un talent extraordinaire. Et ben voilà, l'été dernier, les magazines internationaux disaient l'orfèvre de la bière. Il y a quelque chose qui se sait. Voilà. On a la chance d'avoir un homme extraordinaire en pays catalan, un créateur extraordinaire, et ça ne se sait pas assez. Et donc, un de mes plus grands défis, c'est mettre en avant ces bières-là, qui sont des bières juste magiques.